dans le cadre de l'atelier d'écriture animé par M. Didier Philippotto, Rock and Air. Paris, gare de l'Est. Trois personnes en partance pour Reims ont joué pour un festival de musique. Ils sont trois guitaristes. Montent dans le train, se font contrôler, ils sont assis. Le premier personnage, petite, gothique, cheveux en pique, compulse un magazine, cherche à acheter une guitare rock rouge. Le second personnage, short hawaïen, petit, maigre, quelques difficultés à digérer des oignons. Va aux toilettes. Carré central, dispute. La gothique versus le troisième personnage, un grand gars, t-shirt bleu. Hurlement sans retenue dans la voiture, il hurle. « Si t'achètes la guitare rouge, je te tue !» Elle hurle. « J'ai bien envie de tout repeindre en rouge, si tu continues, va y en avoir partout sur les murs !» Il hurle. « Ta gueule, viens avec moi dans la cabine !» Dans la cabine, la porte ouverte. Hurlement encore. L'Hawaïman sort des toilettes, arrive dans la cabine, désangle sa ceinture, silence de mort. Elle dit « Parle !» Il répond « Je sais pas. » L'Hawaïman s'interpose entre les deux. Retour couloir, une vieille dame veut temporiser la dispute. Elle rapporte le magazine de la gothique. Elle voit quelque chose sur le sol, se penche, ramasse et rentre dans la cabine, une capote à la main. L'Hawaïman comprend que sa copine, la gothique girl, a une relation avec le bleu man. La capote est bleue. Il sort une lame et commence à taillader le bleu man. Intervention du contrôleur, la gothique ferme la porte, tente d'assommer le contrôleur. Le contrôleur esquive et assomme la gothique. La Wayman se précipite sur le contrôleur et l'égorge. La grand-mère se sauve en courant. La gothique se réveille et écrit sur la vitre avec le sang. Gare de Reims, 13h13, vendredi 13, la police scientifique découvre la scène du carnage. Elle lit sur la vitre, écrit au sang. Il avait dit que le train serait repeint en rouge, mais je pensais pas le faire.